Aujourd'hui, nous partons en direction du Saut du Doubs. La Franche-Comté est une région verte, le vert des forêts et le vert des pelouses omniprésents, toujours associés, qui rehaussent encore la blancheur des falaises mises à nu ou en hiver, celle de la neige. Le sapin fait partie de l'image traditionnelle de la Franche-Comté, une image qui est juste pour les plateaux et plis les plus élevés du Haut-Jura et du Haut-Doubs, au-dessus de 700-800 mètres et dans une mesure moindre pour les lourdes croupes vosgiennes. Pourtant, il possède un patrimoine aussi riche et varié que celui de bon nombre d'autres régions de France. Des sites naturels typiques aux nombreuses cités de caractère, des villes pittoresques et accueillantes aux innombrables sentiers de forêts ombragées, le visiteur a toujours de quoi satisfaire sa curiosité, de l'air pur à respirer ou des campagnes paisibles pour se reposer. L'image que la plupart des Français ont de la Franche-Comté se confond souvent avec celle du Jura, au point que les deux noms sont fréquemment employés comme synonymes. Les récents efforts pour promouvoir le tourisme blanc, en particulier le ski de fond, n'y sont pas étrangers, mais cela reste une région de moyenne montagne qui convient d'abord à un public familial, désireux de séjourner paisiblement et à moindre frais, pour respirer un bon air pur. Pourtant, la Franche-Comté n'est pas le Jura. Le massif ne couvre que la moitié de son territoire qui empiète également sur les Vosges, la Bresse ou la Bourgogne, alors qu'au nord s'étalent les paisibles paysages du Val de Saône. Au départ de Villers-le-Lac, le Doubs paresseux serpente au creux d'un val, traverse le petit lac de Chalexon, puis s'élargit entre monts et falaises pour former les bassins du Doubs. Cette retenue naturelle de 3500 mètres de long, de 100 à 200 mètres de large et de 30 à 40 mètres de profondeur, où l'eau devient plus noire, constitue un paysage d'une impressionnante beauté et authenticité. En hiver, la glace qui recouvre ces flots immobiles offre la plus grande patinoire naturelle d'Europe. Résultat d'un bouleversement géologique, il y a 14 250 ans, les bassins du Doubs forment une exception par son fonctionnement en vidange karstique, qui occasionne des variations naturelles de niveau de près de 20 mètres entre les crues et les étiages. Résultat d'un éboulement qui a verrouillé le passage de l'eau, le Saut du Doubs, impétueuse chute d'eau de 27 mètres, classé grand site national, constitue l'apothéose de cette retenue d'eau. Ça, c'est le SAMU. Ici, les oiseaux sont nombreux. Un pinson du Jura. Une grive litorne nous accueille. Taille inférieure à celle de la grive draine, tête, cou et croupion gris bleuté, dos châtain froid, gorge et poitrine rouge-jaune rayées de noir, flanc sagité de brun sombre, queue presque noire. La face inférieure des ailes est blanche.
La foule que m'accroule est omnivore. Son régime alimentaire est essentiellement végétarien. Elle bascule et plonge régulièrement jusqu'à 2 mètres de profondeur pour s'alimenter, parfois jusqu'à 4 ou 5 mètres. Elle peut voler de la nourriture à d'autres foules. Le bateau nous attend pour une croisière de 14 km commentée au cœur des gorges du Doubs. Une escale permet d'accéder au belvédère qui domine la chute. Vous accéderez au belvédère qui surplombe la cascade. Près de Mout, vous savez, ce village du Haut-Doubs connu pour ses records de froid, moins 42 degrés. Et bien là, à 2 km du village, à 960 mètres d'altitude, au pied du mont Rizou, le Doubs prend sa source. Il alimente ensuite le lac Saint-Point, le troisième plus grand lac naturel de France. Après avoir parcouru 453 km pour l'essentiel dans notre département, le Doubs se jette dans la Saône. La Saône se jette ensuite dans le Rhône, à Lyon. Et le fleuve, lui, termine sa course dans la mer Méditerranée. La promenade au saut du Doubs par la rivière a toujours été une distraction très prisée les dimanches d'été. Dès la deuxième moitié du 19e siècle, on visitait l'endroit à bord de grandes barques plates adaptées à la navigation spécifique du lieu. Ces bateaux en bois, de fabrication artisanale, pouvaient accueillir jusqu'à 40 personnes installées sur deux bancs parallèles. De solides gaillards, soit quatre bras musclés, étaient occupés à la manœuvre. Plus tard, ils troqueront les rames contre des roues à aubes actionnées par des moteurs à vapeur, soulageant ainsi leurs biceps. Observez la sinuosité de la rivière dans cette zone. Nous naviguons actuellement sur les méandres du Doubs, aussi appelé Petit Doubs, à cause de sa faible profondeur. Ici, elle varie entre 4 et 5 mètres. Des traces d'activité humaine autour de restes de foyers datant de 15 000 ans ont été découvertes récemment. Silex taillé, ustensiles de chasse et de pêche, éléments de parure sculptée, témoignent de séjours prolongés de communautés nomades. Les campements étaient occupés à la saison chaude par les hommes qui suivaient les transhumances des troupeaux de rennes. L'hiver, ils regagnaient la vallée de Neuchâtel, à 30 km d'ici. Notez bien que ce peuple se rattache au grand groupe des Cro-Magnons,
semblables à nous-mêmes. Dans la montagne, vous apercevez une échancrure en forme de V. C'est le col des roches. Et la petite forme carrée qui flotte entre les deux parois rocheuses n'est autre que le drapeau suisse. Là, c'est la frontière entre nos deux pays. C'est aussi le principal axe douanier qui donne accès aux îles suisses du Nord. De la Chaux-de-Fonds et à la vallée du Neuchâtel. Nous entrons dans les eaux frontalières. Pendant 43 km jusqu'à Saint-Ursanne, le Doubs forme une frontière naturelle entre la Suisse, désormais sur la droite du bateau, et la France qui demeure sur la gauche. À l'avant du bateau, à tribord, à droite, donc, côté suisse. Le petit village bâti à flanc de coteau est le village des Brenets, où l'industrie horlogère reste très importante. We are now entering the boundary waters. For 43 kilometers, the Doubs forms a natural border between Switzerland on the right of the boat and France on the left. On the Swiss side, a small village on the hillside is called Les Brenets, where the watchmaking industry remains very strong. De prendre un autre bord. Allez, Willy, encore un petit effort. Là, vous y êtes. Allez, au hisse. Là, bonjour Willy. Ah, bonjour tout le monde. Willy, en tant que citoyen helvétique, nous allons tout de suite vous mettre à contribution. En regardant sur la droite du bateau, dites-nous la signification de ce drapeau qui flotte sur l'embarcadère des Brenets. Ah ah! Je suis certain que vous avez tous pensé au drapeau italien, hein? Mais pas du tout. Regardez bien. La petite croix blanche dans la partie rouge, c'est la croix fédérale. Ce drapeau est celui du canton de Neuchâtel, parce que notre pays est une confédération divisée en 26 cantons, formant chacun un état et portant son propre emblème. Le canton de Neuchâtel fait partie de la Suisse romande. On y parle donc, comme moi, le français. La partie la plus belle et la plus pittoresque de la promenade. Classé grand site national, les bassins ou gorges du Doubs sont au nombre de 4 et leur profondeur varie de 15 à 40 mètres. C'est l'occasion de faire de superbes photos, avec un peu de chance de se prendre un chaperon.
regardez, l'écusson suisse peint à même la roche là à droite. Et juste à sa gauche, on voit un sapin pousser la cime vers le bas. Un phénomène de la nature exceptionnel, rarissime, extraordinaire. Bien, bien, Willy. En dessous de cet emblème, il y a l'entrée d'une grotte. C'est la grotte de la Taufière. Elle a une profondeur explorée de 180 mètres. Mais elle est fermée par une grille à une vingtaine de mètres de l'entrée. Classée site archéologique, elle abrite des ossements d'ours découverts dès le début du XVIIIe siècle. D'où une sculpture d'ours qui garde l'entrée de la grotte, que l'on appelle aussi Grotte des Rois de Prusse. Mais, car le canton de Neuchâtel a été rattaché à la Prusse de 1717 jusqu'en 1848. De plus, deux souverains prussiens, Frédéric Guillaume III et Frédéric Guillaume IV, l'ont visité en laissant leur nom gravé sur deux écussons juste au-dessus de l'entrée. To the highest viewpoint, as it contains no obstacles. Have a nice stroll. We'll see you in a little while.
On surveille l'appareil photo.
observez les falaises autour de nous. Elles sont en calcaire, une roche très perméable. Ces falaises forment un relief karstique, une forme de paysage provoquée par l'action de l'eau qui s'infiltre dans le sous-sol. Jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la contrebande était une activité très répandue entre les deux rives du Doubs. On appelait ça la bricole chez nous. Les contrebandiers utilisaient toutes sortes de stratagèmes pour rapporter de la Suisse des produits tels que le tabac, le sucre, le café et le chocolat. De l'huile ou encore du pétrole. Que ce soit en bas de la nuit, à pied sur la glace en hiver. Ou bien même aller de câbles tendus entre les rives des bassins. Ces hommes prenaient tous les risques pour tenter d'améliorer le quotidien de leur famille. Le Doubs restait aussi un important lieu de passage pour tous ceux qui souhaitaient quitter la France afin de se mettre à l'abri en France. Until the end of World War II, black market smuggling was a widespread activity between the two banks of the sea. On small boats in the night, or on foot across the ice in the winter, or with the aid of cable stretched between the banks of the basin, the smugglers utilized several different methods to bring back products from Switzerland, such as tobacco, coffee, sugar, and chocolate. At the same period, the Doubs also was an important crossing point for people who wanted to escape to Switzerland. Il s'est posé. Oh, je sais pas. Ah ouais, la même, peut-être que tout à l'heure. Hein. Tu veux les trous là? Ouais. Ça va servir d'abri pour les oiseaux. Hein. J'ai pas arrêté de filmer, toi. Ça rend bien, ça rend bien. Malgré que. J'ai une lumière est bonne, hein.
Écoutez. Sur l'avant-droit du bateau, ce rocher qui avance sur l'eau est le rocher de l'écho. Au niveau de la dernière paroi qui fait l'angle, vous allez découvrir des dates inscrites en rouge. Elles indiquent les niveaux des crues les plus importantes. 1990, puis 1955, 1957, 1910, et sur le petit surplomb au-dessus, 1882. Lors de la dernière crue, le 16 février 1990, on mesure 80 cm d'eau dans le magasin de souvenirs qui se trouve au débarcadère du Saut du Doubs. Et la rivière passait tout juste à 1 mètre sous le pont de Villers-le-Lac. La cascade était d'une telle largeur qu'elle recouvrait totalement le belvédère suisse. Son débit était passé de 30 à 300 mètres cubes par seconde. Je vous laisse imaginer le spectacle. Le Doubs est une rivière très capricieuse. Dans une même année, entre son niveau le plus haut, la crue, et son niveau le plus bas, l'étiage, on peut constater un écart de 12 mètres. On the last cliffs, you can see dates marked in red. These indicate the highest flood levels. In one year, we can see that the highest and the lowest water levels have a difference of 12 meters, or 40 feet. During the last important flood in February 1990, the waterfall became so wide that it completely covered the Swiss scenic overlook. Ce sont les vestiges de plongeoires qui furent installés jadis. À la fin des années 40, c'est ici que l'abbé Simon, surnommé le curé volant, s'élança d'une hauteur de 35 mètres. En 1983, pour fêter ses 70 ans, il est revenu à Villers-le-Lac, plongé d'une hauteur de 14 mètres. Plus près de nous, en 87, notez que le record du monde de plongeons de haut vol a été établi à cet endroit par un Suisse originaire du Locle, Olivier Fabre. Entre moins 10 et moins 15 degrés, pendant une dizaine de jours, suffit à ce que l'épaisseur de la glace atteigne 7 cm. Du beurre, du mont d'or, du morvier, de la pampoyotte. Ah, on n'est pas en reste pour bien manger chez nous. J'en aurais bien mieux à vous raconter, mais quand on voit ce qu'on voit et quand on sait ce qu'on sait, on a bien raison de penser ce qu'on pense et puis de ne rien dire. C'est comme je vous l'avais dit, elle parle bien de sa région. Elle m'a donné faim.
suddenly took to touristic ride and the boat cruise in Besançon. We hope that you've passed an enjoyable journey now.